Justine Sillett. Bonjour tout le monde. Je parle dans une micro, je suis comme pas tant sûre de l'impact de ma voix en ce moment. Mais bonjour, je suis ravie de vous rencontrer, puis je suis vraiment honorée d'avoir l'opportunité de parler devant tellement de gens, de pouvoir échanger avec vous, que ce soit ce que je fais, mon histoire, c'est vraiment quelque chose dont je suis vraiment reconnaissante. Et là, je t'arrive encore. J'avais pas regardé le crédit, je trouvais pas mon parking, c'était un petit peu l'enfer. Mais bon, finalement, je suis là. Donc, pour débuter, oui! Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi je fais ce que je fais, en fait. C'est pas mal qui je suis, c'est pas juste un rêve, c'est pas juste un purpose de vie. C'est vraiment, je me suis trouvée à travers les années, puis ça a juste découlé en sorte que j'ai trouvé pourquoi je suis sur la Terre. Qu'est-ce que moi, en tant que personne, je peux donner aux gens pour faire une différence. Puis pas nécessairement comme seulement prendre, que ce soit des biens matériels ou de l'argent. Donc, c'est vraiment important pour moi de vous partager ça. Donc, on commence. Donc, je vais vous partager ma mission et mon purpose. Donc, je vais parler un peu en anglais parce que je sais que tout le monde est bilingue, puis j'avais écrit ça en anglais préalablement. Donc, mon mantra, mon slogan, si on veut, c'est « I make people fall in love with themselves ». Donc, c'est quoi mon but de vie? C'est vraiment, je vous dirais que j'ai eu énormément de struggles plus jeune, autant que ce soit des problèmes familiaux qui étaient quand même assez lourds à un jeune âge. J'ai eu beaucoup de eating disorders, donc anorexie, bulimie, anxiété, dépression, self-harm, name it all, genre dès l'âge de 12 ans. Puis ça pesait très, très, très lourd quand j'étais jeune. Puis il y avait un point que j'allais tellement pas bien que je voyais plus la lumière au bout du tunnel. Puis la chose qui m'a bouée de secours, ça a été le fitness. Ça a été ça que j'ai vu au bout pour me dire « Ok, c'est important pour moi d'avoir un certain contrôle sur de quoi je vais avoir l'air. Ok, physiquement, right. Mais ce qui est vraiment, vraiment le plus important ever, c'est notre spiritualité, c'est notre mental. Puis il faut que tout ça fonctionne ensemble, aligné, parce que si les deux sont opposés, il y a juste une résistance qui « You're gonna go way down the road. » Donc, ok. J'arrête de parler, je parle vraiment beaucoup de personnes. Ok, donc ma motivation. Ok, donc par toutes les choses que j'ai vécues dans le passé, en plus de ça, je suis quelqu'un de méga émotif, ok? Je ressens mes émotions à moi, mais aussi sur des gens autour de moi, comme exposant genre 3000. Puis, quand j'étais plus jeune, on me disait souvent de faire attention, comme que c'était vraiment un problème, qu'il fallait que je me gère. Puis oui, on peut avoir un certain contrôle sur les émotions. Puis ça, c'est un défi qu'on va avoir tout au long de notre vie. C'est quelque chose qu'on doit master, c'est très important. Mais je peux pas l'empêcher, c'est comment je suis. Et ce que j'ai découvert, en fait, c'est que tout ce qui était ma bête noire à travers les années, selon mon entourage, j'ai fait en sorte qu'aujourd'hui, ce soit mon plus grand tatou. Donc, avec ça, je réussis à toucher les gens avec mon authenticité.
si je suis capable de ressentir ce que tu ressens, c'est sûr que moi, je me mets les pieds à la place de la personne, des gens X, Y, Z. Puis, je vais vraiment essayer du plus profond de mon être de comprendre la personne, même si c'est une situation que j'ai jamais vécue, ça me tient vraiment à cœur. Puis, j'ai utilisé ça aussi dans mon acting, qui est un autre de mes rêves slash purpose, de faire surgir les émotions chez les gens, de les faire sentir bien, c'est vraiment quelque chose qui est, c'est comme, c'est en moi, comme si moi. Donc, après ça, we authentically believing in every single human being and the proper potential to impact our world. En fait, je me suis trouvé moi-même que j'étais capable de me dépasser quand j'étais au plus bas dans ma vie. Donc, en sachant ça, c'est pas juste que je le sais, c'est que je l'ai vécu. Puis moi, je suis pas différente que n'importe qui. Oprah Winfrey est pas différente que n'importe qui dans la salle. Ça veut rien dire. Fait que si une personne est capable, c'est certain que chaque personne ever dans le monde, peu importe où tu pars, puis je suis d'accord qu'on part pas tous des mêmes points. Il y a des ajustés dans le monde, puis c'est vraiment plat, mais c'est ça. Il faut juste l'accepter, puis faire avec ce qu'on en est, puis se dire que le plus loin qu'on part, le plus qu'on va avoir de l'expérience, le plus qu'on va apprendre, ça peut juste donner des points positifs. Quand vous renforcez votre mental et vous le voyez comme des genres de clés, ça nous donne des outils pour avancer de, comme le step further. Donc, oui, OK, ça c'est vraiment important, je le partage. J'ai lu en grand en bas, mais ça c'est quelque chose que j'ai appris la semaine passée dans un livre que j'ai travaillé. La synergie, le pouvoir des gens au total, pas juste de soi, puis de peu importe comment successful tu peux être dans ton entreprise, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir la popularité, OK, je le donne à la personne. Mais ce qui est vraiment tellement, tellement puissant, c'est le pouvoir de tous les gens combinés ensemble. Donc, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Si chaque personne se montre à ses vibrations personnelles les plus hautes possibles, si chaque personne réussit à se découvrir et à savoir c'est quoi ton gift, pourquoi tu es ici, c'est quoi ton talent, puis qu'est-ce que tu peux actually donner aux gens, comme le changement qu'on peut faire, pas juste, mettons, dans la petite société de Montréal, là, vraiment dans le monde entier. Donc ça, c'est quelque chose qui me fascine. La synergie, ça veut dire que à deux, à trois, à quatre, on est plus fort. C'est pas un plus un et pas égal à deux. Ça peut, perhaps, être égal à trois, 50, 3 000, 50 millions. Ça peut vraiment, vraiment être fort. OK, on va changer parce que ça va prendre 3 heures. OK. Pourquoi je suis là? OK, oui, et là, je savais qu'on faisait une présentation PowerPoint. Puis là, en ce moment, ça fait depuis que j'ai 14 ans que j'ai ma business, 14-15 ans, ma business d'entraînement. Puis là, j'ai un lien vidéo, en fait, c'est j'ai reformé ma brand, ma marque, parce que je suis partie de l'université cet hiver pour me lancer en plein dans ma compagnie. On a-tu le droit de montrer un vidéo? Oui. Ça peut être moi aussi, là. J'ai mis au cas où. OK. C'est sûr? OK. Donc, ouais, cette campagne-là, je l'ai finie ce matin. En fait, j'étais censée la sortir en juillet, mais j'ai eu un entorse. J'ai eu une médication pour ma peau qui m'a été très difficile. J'ai eu plein de petites embûches, mais finalement, it's out. Puis, je fais l'annonce demain, donc je l'ai montré à personne en ce moment. Là, c'est bon. Quand même exclusif. Ouais, c'est la campagne de lancement de mes services de coaching, d'entraînement, programme, stratégie alimentaire, coaching en ligne sans entraînement. Puis c'était important pour moi de faire une vidéo parce que autant que des mots, ça peut être très puissant. Je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant que le lien déjà commencé là-bas. Que le vidéo.
que, ouais, donc ça c'est la campagne de lancement de mon site web. Ouais, ça fonctionne encore, ouais. Ouais, donc vraiment pour annoncer que le site est ouvert, les services sont disponibles. Puis, dans la vidéo en fait, c'est vraiment, c'est comme un peu mon histoire que j'essaie de partager aux gens, ma rébellion personnelle. Il n'y a pas de mots, mais c'est vraiment une interprétation que chaque personne va avoir de leur côté, puis de vous partager, c'est la plus belle chose ever. Donc, je pense qu'il y a une slide qui a sauté, ça se peut-tu? Oui, ok. Donc, mon histoire. J'ai quand même toujours été en fait une fille vraiment, vraiment têtue, puis je fais tout le temps ma propre idée de tout ce qu'il y en a. Même comme en première année, j'avais comme 7 ans, j'ai eu ma première copine. Je suis tout le temps vraiment une bonne fille, mais s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je vais poser des questions. Puis si on me dit quelque chose qui, moi, ne fait pas de sens dans ma tête, c'est certain que je vais le remettre en question. Puis ça, quand j'étais plus jeune, ça dérangeait les gens. J'avais jamais de mauvaise intention autre que de suivre ma voie à moi et de m'instruire personnellement sur, en faisant confiance en fait à qui j'étais. Puis à chaque fois que j'avais des comportements comme ça, les proches me commentaient, me critiquaient négativement, me critiquaient sur le monde de rebelle. Puis moi, c'était tout le temps un mot qui m'identifiait, qui était vu très négativement. Donc, je détestais ce mot-là pour mourir, jusqu'à temps que le jour où est-ce que j'ai réalisé que tout ce que je faisais, c'était écouter mon cœur. Et je me foutais de ce que les gens pensent de moi. Puis j'étais bien, j'étais heureuse. Je fais ce que j'aime, puis c'est devenu mon mot maintenant préféré à vie. C'est vraiment de soutenir ses propos, sa conscience. C'est vraiment une rébellion d'amour de soi. C'est vraiment le message de ma grand. Donc, comme je disais tantôt, j'avais beaucoup de crevasses et de montagnes dans mon jeune temps. Puis, le fitness, ça a été ma bouée de sauvetage. Puis c'est sûr que directement, quand j'ai sauté dans le fitness, c'était pas un pattern qui était immédiatement très santé, c'était quand même obsessif vraiment beaucoup. Puis avec le temps, j'ai vraiment énormément appris de ça parce que j'ai commencé, je devais avoir 15 ans quand j'ai commencé mon Instagram de fitness, j'ai commencé à m'afficher sur les réseaux sociaux, j'ai commencé ma compagnie pendant que j'étais à l'école, puis ça dérangeait mes parents parce que je prenais plus de temps là-dessus que de faire mes devoirs. Mais j'ai voyagé pas mal à beaucoup de places dans le monde. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai fait des photos pour les magazines, tout le kit, puis j'étais archi jeune. Puis à ce temps-là, j'étais vraiment, vraiment trop consciente de certaines choses. Puis c'est seulement en tombant au plus creux des plus creux que j'ai comme pas eu le choix de changer. Comme souvent les humains, on ne change pas quand on veut, on change quand on ne pas le choix, quand notre situation n'est plus supportable. C'est la seule option. Donc je suis vraiment contente pour ça aujourd'hui. Ça je l'ai déjà dit. OK. Ça c'est un autre de mes mantras. C'est « I don't live for people to remember my name, nor my looks, or my reputation. I live for every impact I will have on them. For them to impact others accordingly afterwards. Seeing you grow is what keeps me going. » Donc, c'est important pour moi d'investir en des gens que je sais qui vont give back aux gens. C'est comme ça qu'on peut faire un impact encore plus gros de personne en personne dans la société. Puis c'est littéralement pourquoi je suis ici. J'ai littéralement tassé mon niveau de compté, j'en suis vraiment consciente. Puis moi, ce qui me move dans la vie, c'est de faire une différence dans la vie des gens. Ça me donne énormément d'énergie et c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Marketing advice. Donc, moi, j'ai mis quatre petits points que moi, j'ai trouvé personnellement importants quand j'ai commencé ma brand. Donc, premièrement, c'est de vraiment sélectionner ta niche. Puis, c'est pas juste de dire, OK, là, moi, admettons que je forme une compagnie de vêtements, je décide de faire des vêtements pour girls. Mettons, comme en ce moment, un petit peu, tantôt, on me dit, genre, top raider, Kim Possible, tout le temps. Je trouve que c'est vraiment. T'as un avantage, en fait, si toi, t'es capable d'être conscient des comportements, des behaviors des gens qui sont dans ta niche. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que le pouvoir de comprendre. Quand on comprend, ça veut dire qu'on est à l'écoute, on a l'intérêt des autres personnes, puis
les clients, les gens, n'importe qui, toi, moi, tout le monde dans la salle, on aime être compris. On peut s'identifier avec les autres, puis on se sent important en tant que personne. Puis ça, c'est tellement, mais tellement important pour les clients. Donc, c'est sûr que si vous, en tant que personne, vous êtes capable de vous identifier à votre niche, c'est un giga, méga gros atout dans tout ce qui est contact client, psychologie et tout le kit. Apprendre, so learn about your niche and perhaps try to live as your niche to really seek to understand their behavior. Donc, c'est important de comprendre comment votre niche fonctionne. Si vous vous identifiez pas, puis moi je vends du linge, admettons que je veux faire du linge plus pour homme, puis admettons que c'est quelque chose que je porterais pas, ben il faut que j'aille étudier sur ce type de niche-là pour vraiment que j'apprenne leur behaviors, puis que c'est certain que mes produits vont plus les toucher, ils vont se sentir compris. Donc, les deux sont quand même à se connecter. Le troisième, ça serait, de la différenciation. J'ai tout à l'heure bizarre à dire ça, je suis vraiment désolée de comprendre le principe. Là, c'est pas juste, on s'entend que c'est important de sortir du lot. Les gens aiment ce qu'ils n'ont jamais vu, ok. Mais c'est pas seulement, selon moi, d'être différent pour être différent. C'est ce qui est le plus puissant, votre plus gros pouvoir à tout le monde. Puis, perhaps, même si c'est la chose que le monde redouble le plus, c'est juste d'être soi-même. Genre. Ça demande beaucoup de courage de mettre ses deux pieds à bonne place, puis de vraiment comme stand to ta conscience, puis ce que tu penses, tes idées. Puis, toutes les choses dont peut-être vous êtes le moins fier, que vous avez fait dans votre vie, des points sur votre personne, c'est vos outils les plus puissants. Les plus puissants parce que ça va vraiment toucher au creux des âmes des gens qui vivent la même chose que vous. Ce qui est vraiment plate, c'est que tout le monde s'empêche de partager ces points-là quand on sait que, genre, tout le monde a des bêtes noires. Tout le monde a des choses que personne ne sait sur eux, ou que peut-être quelques petites personnes, mais qu'ils n'ont jamais envie de partager. Mais je vous dis, trouvez un moyen d'utiliser ces points-là pour qu'ils travaillent en votre faveur plutôt que qu'ils s'allaient dans une direction de la destruction. Ouais. OK. Dernier point, deeply, genuinely think about the people. OK. C'est important, comme je dis, le pouvoir, c'est les gens, c'est la communauté. Donc, je suis d'accord qu'aujourd'hui, le moyen d'échanger, de survenir à ses besoins, d'avoir un freedom, d'avoir la liberté, puis aussi d'avoir le pouvoir de faire encore plus d'argent, c'est l'argent. Ouais. OK. Mais, par contre, ce qui est vraiment tellement important, c'est en premier de penser. C'est vraiment de penser à votre purpose, à vos rêves, aux gens à qui vous vendez les services ou les produits. C'est la chose la plus importante. Parce que dites-vous que s'il n'y a pas de gens, il n'y en a pas d'argent. Okay? Puis c'est tellement important de mettre le focus là-dessus et non sur l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est éphémère. Demain, il peut y avoir, I don't know, un crash. Tout le monde perd tout ce qu'ils ont. Mais si le seul motif que vous avez, c'est l'argent. Quand vous en aurez plus, vous n'aurez plus rien. Aucune bouée sur quoi vous tenir. C'est sûr que comme l'option de laisser tomber est vraiment, vraiment plus lourde. Tandis que si on se tient sur la passion, personne ne peut vous enlever ça. Personne. Okay? C'est pas quelque chose qui est matériel. C'est en vous. C'est vous qui la créez. C'est vous en entier. Okay? C'est même pas quelque chose si vous êtes votre passion. Donc, méga tard. OK. Social platforms and clients. OK. Les réseaux sociaux. Très simplement, identifier les plateformes les plus populaires, ceux qui marchent le plus en ce moment. Je pense que tout le monde est quand même à l'affût de ça ici, surtout dans un événement comme ça. Instagram, Facebook, YouTube et tout le kit. Surtout les plateformes qui sont faciles à utiliser. Parce que dites-vous que peut-être que vous avez un intérêt dans les médias sociaux ou dans les business, mais dites-vous, c'est pas tout le monde qui a peut-être autant de connaissances que vous qui êtes assis dans la salle. Donc, dites-vous que ce soit des plateformes qui sont faciles à utiliser pour monsieur, madame, tout le monde, pour que quand les gens vont acheter ou naviguer sur votre site ou juste visiter, comme voir votre page, juste votre personne, peut-être que votre produit, c'est votre personne. Il y en a des gens qui se. Comme moi, je me market en tant que personne. Genre. C'est comme si tu te vends en tant que produit, puis ça fonctionne. Ça fonctionne. Les gens vont vouloir être comme toi. Donc, il faut que ce soit facile d'accès tout en tout moment. Après ça, savoir comment bien les utiliser, puis super.
super important, toujours, 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 toujours si le knowledge, ok? Dans n'importe quoi, comme moi, mon dada depuis 3 ans, c'est les livres électroniques, parce que je suis énormément ADHD, donc TDAH, je pense que peut-être des personnes qui ont remarqué. Hein? donc j'ai vraiment ça à lire, comme rester assis et à rien faire, j'ai vraiment ça. Donc j'écoute des podcasts, des livres audio dans mon auto, quand je suis dans le trafic. Quand je fais le ménage, je mets ça sur un speaker, puis c'est fantastique. Dites-vous qu'il y a littéralement des gens qui ont passé toute leur vie sur des ouvrages, sur un sujet, un seul sujet, leur expertise plafonne, comme pète tout autour, puis vous pouvez avoir ça. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont 10$, puis c'est comme si c'est dans vos mains, genre. Comme tout le monde peut avoir ce knowledge-là, c'est juste ça prend le will de vraiment aller le chercher, puis vous allez tellement, tellement vous conscientiser sur tellement de choses. C'est fantastique. Donc ça, c'est important parce que le monde est en constant changement. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, en ce moment même, tout change. Le soleil se couche, c'est fantastique. Mais pour vrai, tout évolue, puis c'est important d'être à l'affût des nouvelles connaissances de ce qui se passe en ce moment, parce que vous avez beau investir énormément dans vos plateformes, dans votre brand, si vous n'êtes pas au courant de les updates, comment ça fonctionne, c'est sûr que comme le travail va être mis dans le beurre, ça c'est vraiment plat. OK. Share content, yeah, that people would identify too. So, okay. So, là, j'ai marqué, as animals, we always primarily think about ourselves subconsciously. Donc, là, si jamais you're a fur, whatever, puis la seule option, notre instinct de survie, ça va être de sauver notre peau avant celle de l'autre. C'est plate, mais c'est comme ça. Puis, subconsciemment, les gens, c'est tout le temps ce qu'ils font. Donc, c'est sûr que les gens vont tout le temps être plus intéressés à une publication, à un produit, à un livre, name it all, qui vont pouvoir s'identifier. Parce que eux, quand ils voient quelque chose, s'ils voient, ils lisent un texte, ou la personne va lire, elle va voir une photo, puis comme elle, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais vécu. Elle sait quoi, c'est quoi? C'est comme si je te parle de la couleur orange, qui est ma couleur préférée. Toi, tu sais quoi, c'est quoi le orange? Comme, sorry, my thème, mais genre, ils vont give a shit. Genre, tu t'en fous de l'orange. Tu sais même pas c'est quoi, comme tu sais, c'est même pas dans ma vie, pourquoi est-ce que je peux faire attention à ça? Donc, essayez de trouver des choses auxquelles la majorité de la société va pouvoir s'identifier. Ça va attirer plus de popularité, ça va attirer plus de commentaires, plus de reach, donc plus de trafic sur votre site web, sur vos pages. Ça va vraiment créer un espèce de mouvement rassembleur entre les gens, pas juste de vous aux clients, mais vraiment les personnes qui vont commenter vont commencer à se supporter, à s'influencer, puis ça fait une espèce de roulis roulant, de uprising swirl, c'est fort. J'ai vraiment la recherche. Call to action. Comme j'ai dit tantôt, ce qui est vraiment important, c'est que tout soit accessible facilement et rapidement. Donc, chaque chose, dites-vous que ce qui est vraiment important, ça pourrait tellement les gens à dire, mais il faut qu'un enfant de 8 ans soit capable de naviguer sur votre site. Puis si je vous dis, OK, va me chercher le chandail bleu appelé Capitaine Kentucky, je dis n'importe quoi, mais il faut qu'ils soient capables de le mettre dans le panier puis de passer au check-out. Parce que le monde sont impatients. Des fois, Internet n'ouvre pas, c'est frustrant, puis ils vont juste sacrément. Donc, c'est vraiment important que ce soit clair. Puis, comme je suis quelqu'un de méga, méga créatif, puis genre, j'ai des idées qui sortent de comme tout bas de côté, puis des fois je me dis, OK, Justine, comme, calme-toi un peu, il faut quand même que ce soit simpliste, que tout le monde puisse facilement naviguer là-dessus, qu'il n'y ait pas de malentendu, parce que c'est pas tout le monde qui est dans ma tête, qui est parfois très hors conventionnel, tu sais. Donc, ça, c'est important. Right, voilà, on est où il y a un petit document, hein? Donc, try to use, OK, des automatisations. Je suis dans les oeufs, des rapports. Avec des codes, ok? Donc ça, c'est un bonbon, c'est du gâteau, c'est quelque chose que en ce moment je travaille vraiment parce que c'est nouveau pour moi. Mais il faut que vous ayez c'est comme si il faut que tu fasses ta business travailler pour toi. Tout va se faire automatiquement. Vos clients vont être satisfaits, vous n'aurez rien à vérifier, rien à envoyer, vous allez économiser du temps égale à l'argent. Donc c'est vraiment important, donc tout ce qui est des campagnes par email qui sont automatisées, des codes qui sont automatisés. Personnellement, je suis vraiment pourrie dans la technologie, comme pourrie, genre méga pourrie.
Fait que c'est tellement lourd, moi, ça, mais je suis en train d'apprendre en ce moment. Puis même si c'est pas votre champ, c'est super important parce que vous allez tellement, ça va vraiment faciliter la vie. Le coding, là, c'est vraiment, c'est très charabia, mais c'est pas important. Oui, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? OK, de trouver vraiment votre vrai purpose, votre passion, votre guide. Tu sais, j'ai dit tantôt, ne devez pas se baser sur l'argent, parce que l'argent, ça s'en va. Puis dites-vous que peu importe qu'est-ce qui arrive, pour vrai, comme, tu sais, je le vis en ce moment, genre, j'ai tellement eu un rough, méga, c'est comme un rough patch, mais ça a été genre un rough 3 years. Mais ça arrive, OK, puis quand vous aimez ce que vous faites, même si c'est difficile, comme il n'y a rien qui va se désirer, genre tout. La seule chose qui est importante, c'est votre désir qui est brûlant de succéder à vous en tant que personne. C'est tout ce que vous avez besoin dans la vie. Puis je vous garantis que, comme tu sais, cette année, quand je partais à l'université, j'étais préparée à ne plus avoir de chez moi. J'étais préparée à ne plus avoir de voiture. Aucune ressource, rien, rien. Puis j'étais les dettes au-dessus de la tête avec une facture d'université. Puis j'étais tellement, tu sais, j'avais des bonnes notes, je suis bonne à l'école, genre je suis, mais j'étais pas heureuse, je sentais que j'allais jamais à mes cours, j'avais des bonnes notes, ok, mais comme je me levais le matin puis je me sentais éteinte, donc je savais qu'il fallait que je parte, puis c'était tellement important pour moi, je sais tellement ce que je dois faire, puis même si ça paraît tellement loin, comme peu importe ce qui arrive, j'étais prête, puis je me suis dit, garde, you know, genre, même si je suis dans la rue, je m'en fous, je vais faire quand même. Donc ça c'est A1, genre vraiment content. Ça, ok. Oui. Ok. Donc, là, comme vous, j'ai anticipé que j'allais vraiment parler beaucoup dans ça. Mais je sais pas, là, sur les shorts dans le temps, comme c'est pas moi qui gère non, les shorts dans le temps. Ok. C'est. Excusez-moi, vous voulez partager quelque chose. J'aime ça. Et genre, les gens, fait que s'il y a rien aussi, c'est correct. Mais. Mais j'apprécie vraiment, Justine, que tu sois ici. Puis ton authenticité, je pense que c'est vraiment apprécié de la salle. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu viens présenter quelque chose, mais j'apprécie vraiment que tu sois ici. Puis tu veux partager toute ton histoire, c'est vraiment. Good speech!